Shinyun Performing Arts began their Canadian tour. They performed in Montreal from February 2nd to the 5th. C'est extraordinairement beau. C'est puissant, vraiment, comme spectacle. C'est diversifié surtout. Ça, c'est ce que j'ai vraiment apprécié parce que je m'attendais vraiment à un spectacle de danse uniquement. Mais au final, c'est plus qu'un spectacle de danse. Il y a un côté très théâtral aussi. On assiste aussi à de l'opéra. La musique, mon Dieu, la musique, c'est l'orchestre en direct. Ça non plus. Ça a été une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Très intéressante, en fait. C'est surprenant de voir à quel point on ne connaît pas la Chine. Alors c'est surtout ça là, que je suis venu rechercher avec ma fille, de voir un petit peu la Chine au-delà de ce qu'on en voit dans les médias, à la télé. Qu'est-ce que c'est vraiment? Puis c'est assez surprenant. Hein. Ça donne envie d'en savoir plus. C'est ça, de voir que la culture, les couleurs, les émotions, l'aspect théâtral étaient vraiment mis en avant-plan. Puis, c'est ça. Donc, tous ces côtés-là m'ont vraiment impressionné. Shinyun's mission is to revive China's 5,000 years of spiritually inspired culture that existed before communism. En fait, c'est la fascination de voir une culture telle que la Chine et de comprendre l'histoire et l'évolution de la Chine à travers un spectacle, donc à travers le chant, à travers la danse. Mais je pense que c'est un bel effort. La transmission culturelle, c'est quelque chose qui est toujours vital, de toute façon, hein, génération en génération. Donc, très bien, bravo. Ben, je dirais que ça vaut vraiment la peine parce que d'un point de vue culturel, on y apprend vraiment beaucoup. One of the scenes portrayed in the performance is the persecution of Falun Gong in modern-day China. Falun Gong, also known as Falun Dafa, is an ancient spiritual practice based on truthfulness, compassion, and forbearance. Je vous avoue que la scène sur la persécution est assez forte. Là. J'ai trouvé assez forte. Puis encore une fois, c'est des choses au Canada, on n'est pas habitué à ça. C'est pas des choses qu'on vit, nous. Donc oui, non. Puis c'est très gracieux, c'est très élégant. Écoutez, c'est déchirant de voir qu'il y a un peuple qui a envie de vivre leur liberté et qu'il y a un gouvernement qui est là, qui les opprime tout le temps. Donc, ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent et de s'exprimer surtout. Audience members also said Shinyun is heartwarming. Ah, assurément d'y aller. C'est clair, il n'y a pas, d'autre option. Il faut aller voir ce spectacle-là. C'est un incontournable. Puis ça nous permet aussi, tu sais, le mois de février, c'est toujours un mois qui est dur, surtout aujourd'hui. Donc, ça nous permet de carrément changer les idées puis être emballé de chaleur autour de nous pendant un petit moment. C'est vraiment quelque chose, c'est une énergie qui se transmet, puis on le ressent pendant tout le spectacle, ça fait chaud au cœur, puis je pense que ça fait vraiment du bien d'aller voir ce genre de spectacle-là. Shinyun will perform in 7 cities in Canada this March, including Ottawa and Vancouver. NTD News, Montreal, Canada.